Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le mois de la saga. Donc, il s'agit du mois de mai qui sera entièrement consacré, bon, en partie, hein, parce que bon, qui sera donc consacré à lire, compléter, terminer ou commencer les sagas. C'est un challenge que je fais avec Estelle, petite lectrice. En fait, c'est elle qui l'a lancé et je la seconde dans ce projet. Donc, je voulais vous présenter un peu ce que j'avais sélectionné. Il y a 8 livres, voilà, je me fais pas trop d'illusions, en un mois j'arriverai pas à tout lire, hein, mais bon voilà, c'est les sagas que je voudrais continuer, voilà. Donc la première, que je vous avais présentée aussi l'année dernière, que je n'ai pas lue, il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Hollow City. C'est un petit bébé de 500 pages. J'avais lu le premier tome il y a un petit moment, vraiment un moment, ça doit faire 4-5 ans. J'avais bien aimé, j'avais trouvé ça un petit peu glauque, mais ça allait. Et c'est vrai que ma sœur m'a offert les deux autres tomes que je n'ai pas encore lus. Je me rappelle plus par contre de la fin du premier, donc je pense que je reprendrai les 3-4 derniers chapitres du premier. Et après, j'enquillerai avec celui-ci. J'espère vraiment le lire parce que c'est une saga que j'aimerais bien continuer. Ensuite, là il s'agit plutôt d'une relecture, j'aimerais bien relire Harry Potter à l'école des sorciers. Là aussi c'est ma sœur qui me l'a offert. Là c'est un petit livre quand même, il fait à peine 300 pages. J'aimerais bien me replonger dans l'univers d'Harry Potter. C'est vrai que c'est un univers que j'aime beaucoup. Je ne suis pas non plus une grande grande fan, mais je me rappelle que ces livres sont les premiers que j'arrivais plus à poser. Je voulais attendre la suite avec impatience, c'était une de mes amies qui me les prêtait. Et voilà, j'avais envie de retrouver ça avec celui-ci. Quoi, non, je continue dans l'ordre. Ensuite, c'est une saga en littérature que j'aimerais continuer. Il s'agit du tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley, la sœur à la perle. Donc là, on va suivre celle qu'on appelle Sissi, qui est donc un peu la jumelle de Star qui est dans le troisième tome. Et voilà, donc là aussi, il y a pas mal, il fait plus de 700 pages, mais j'ai envie de la continuer. J'ai le tome 5 aussi dans ma pile à lire, ici, je sais pas si vous voyez. Et le 6 sort en poche très bientôt, donc voilà, j'aimerais ne pas être trop en retard dans cette saga. Bon, vous savez, comme j'aime le policier, je ne pouvais pas faire une présentation de challenge sans glisser des policiers. Donc oui, c'est une saga, on va dire, c'est le tome 3 de la saga avec l'inspectrice Maline. Donc il s'agit de L'ombre de la baleine de Camille Agreb. Donc le dernier que j'ai lu d'elle, c'est L'archipel des larmes que j'ai lu l'année dernière, que j'ai adoré. Et bah, du coup, mon conjoint m'a offert ce tome 3 au mois d'août l'année dernière et je n'ai toujours pas lu. Donc j'aimerais bien le lire pour bah, compléter parce qu'en fait j'ai lu Un cri sous la glace, Le journal de ma disparition, L'archipel des larmes, et lui en fait est entre le journal de ma disparition et L'archipel des larmes. Donc ça complétera certaines notions sur le personnage. Ensuite, c'est aussi du policier. J'aimerais lire le premier livre de la trilogie du Baston de Dolores Renaudot avec Le gardien invisible. Donc j'ai surkiffé la face nord du cœur de cet auteur. Et là, j'ai envie de découvrir sa trilogie. Donc voilà, celui-ci, je pense que c'est un des sûrs qui va y passer. Ensuite, on passe dans du grand format. Là, ça serait pour terminer une trilogie que j'ai commencé il y a, pareil, 4 ans. Il s'agit de The Kiss de Marie Rutkowski. J'ai commencé cette saga il y a un moment, j'avais beaucoup aimé. Et comme j'empruntais des livres, en fait, c'est vrai que je me suis jamais lancée dans le troisième. Et là, il n'y a pas longtemps, sur un site d'occasion, j'ai trouvé la trilogie pour 15 euros. Sachant que le livre en lui-même vaut 15 euros. Donc voilà, pareil, il faudra que je relise les 2-3 derniers chapitres du tome précédent. Parce que comme pour Miss Peregrine, ça fait un moment que je les ai lus et je ne me rappelle pas forcément bien de la fin. Donc voilà, ça sera l'occasion de terminer cette saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon ce que font les éditions Lumen. À chaque fois, c'est vraiment des très bonnes sagas. Ils ont une qualité éditoriale indéniable. Donc j'avais vraiment envie de terminer celle-ci. Pardon. Ensuite, c'est une autre saga, là, pas à terminer, mais que je voudrais commencer. Il s'agit de Kelleana, l'assassineuse de Sarah J. Maas, dans la nouvelle collection. Elle est trop belle! Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé la saga à Cotard de cet auteur. Et du coup, j'ai envie de découvrir la saga de l'assassineuse. À savoir qu'il y a un nouveau Sarah J. Maas qui sort en mai chez De Saxus. Voilà, bien sûr, je vais l'acheter, on va pas se leurrer. Et bah, du coup, j'aimerais bien quand même commencer cette série avant.
un peu voir ce que c'est. Pour l'instant, il y a 5 tomes, en sachant que le cinquième tome est la partie 2 du tome 4. Donc voilà. Et enfin, le dernier, c'est également un policier. Il clôture la trilogie avec l'inspectrice Hulda. Il s'agit de La dernière tempête de Ragnar Jonasson. Donc j'ai lu L'île au secret il y a un mois, avec donc Hulda. L'action se passait 15 ans avant le premier tome. Parce qu'en fait, à savoir que là, le compte à rebours est dans l'autre sens. On commence par là où Hulda est plus âgée et on va en rajeunissant. Donc celui-ci clôture la trilogie. Bon, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de répéter que j'adore cet auteur? Et voilà, j'aimerais bien terminer la trilogie. Il ne me restera plus qu'à lire cet auteur, Znorr, qui est le premier tome de la série avec Harry Thor. En fait, j'avais commencé par le tome 2, mais bon, j'avais compris l'essentiel. Mais j'ai quand même envie de le lire. Voilà, je me dis, ça me fait un livre en rame. Donc voilà, mes petites lectures prévues pour ce mois de la saga. Alors, est-ce que vous avez déjà lu certains de ces livres? Est-ce que vous envisagez de faire ce petit challenge du mois de la saga qui permet de vider un peu nos piles à lire des sagas en cours? Et sinon, que pensez-vous lire au mois de mai? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.